Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial du 5 des experts. Je suis Anoucha, banquier patrimonial chez SG. Et moi, Elliot, banquier patrimonial chez SG. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Cécile. Assurance vie ou PER? Où placer son argent pour préparer sa retraite? L'assurance vie est le placement préféré des Français. Vous êtes près de 18 millions à avoir ouvert un contrat d'assurance vie. De son côté, le plan d'épargne retraite individuelle a déjà convaincu 6 millions de Français en seulement 3 ans. Alors, vaut-il mieux investir dans une assurance vie ou un PER? Avant d'aller rencontrer votre conseiller pour faire un diagnostic épargne personnalisé, nous vous proposons de comparer les deux solutions. On commence tout de suite avec l'objectif du placement. Comme son nom l'indique, le plan d'épargne retraite individuelle permet de se constituer un capital qui ne sera disponible qu'à votre retraite. L'assurance vie vous permet quant à elle de constituer un capital pour vos projets, les études des enfants, un achat immobilier ou un voyage autour du monde. Elle permet aussi de mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Si le sujet c'est la retraite, on est d'accord à Anoucha que les deux solutions sont ex aequo sur l'objectif. Très bien, passons à la disponibilité de l'argent placé. Avec l'assurance vie, votre argent est toujours disponible si vous en avez besoin. Vous pouvez récupérer une partie de votre épargne sans fermer votre contrat d'assurance vie ou la totalité, ce qui clôturera votre contrat. Gardez seulement en tête que si vous retirez votre argent avant 8 ans, l'imposition sur les gains est moins avantageuse. En revanche, pour le PER, votre épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Et même si certaines situations permettent de la débloquer avant terme, comme le décès du conjoint ou l'achat d'une résidence principale, je suis d'accord pour dire que l'avantage est du côté de l'assurance vie. Votre argent est vraiment plus disponible. Mais qu'en est-il des modes de versement? L'assurance vie est alimentée par vos versements, soit quand vous avez une somme d'argent à investir, soit par des versements programmés. Avec le PER, en plus des versements programmés et libres, vous pouvez verser la participation et l'intéressement attribués par votre entreprise et des jours de congé de votre compte épargne-temps si vous en avez un. Votre employeur y verse également les cotisations obligatoires pour votre complément de retraite. Cette fois, Anoucha, nous sommes d'accord. Si on compare la diversité des modes de versement, l'avantage va au PER. Tout à fait. Regardons maintenant le choix des supports d'investissement. La plupart des contrats d'assurance vie proposent deux types d'investissements, le support sécurité en euros et les supports en unités de compte. Ces derniers sont composés d'actions, d'obligations ou d'immobilier et permettent d'espérer un potentiel de rendement plus important en contrepartie de l'acceptation d'un risque de perte en capital. Et du côté du PER, le fonctionnement est similaire, sachant que chaque contrat d'assurance vie ou PER présente ses propres supports en unités de compte ou en euros. Le choix est large et à l'occasion d'un entretien, votre conseiller saura vous proposer les supports adaptés à vos objectifs, votre profil et au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Si tu es d'accord Anoucha, disons qu'il y a égalité entre l'assurance vie et le PER sur le choix des supports d'investissement. Je suis d'accord, penchons-nous à présent sur les types de gestion. Il existe trois types de gestion possibles selon les PER. La gestion libre, la gestion sous mandat, qui consiste à confier votre capital à un professionnel de la gestion d'actifs. La gestion pilotée à horizon, cette dernière est l'option par défaut du PER. Son principe est de profiter de l'horizon éloigné de la retraite en prenant plus de risques au début et moins à la fin de votre investissement. Effectivement, Elliot, et les contrats d'assurance vie proposent également ces trois types de gestion. Le mieux, c'est de vérifier avec votre assureur les options de gestion qu'il propose, que ce soit un contrat d'assurance vie ou un plan épargne retraite. Et globalement, je dirais qu'il y a égalité entre les deux solutions sur le type de gestion. Nous sommes d'accord, et si on s'intéressait aux frais? Les frais dépendent de l'assureur et diffèrent également d'un contrat à l'autre, qu'il s'agisse d'assurance vie ou de plan épargne retraite. Nous sommes d'accord, nous ne pouvons pas nous prononcer pour savoir si les frais de l'assurance vie sont plus ou moins élevés que ceux du PER. Et la fiscalité? Nous démarrons logiquement par l'entrée. Les versements volontaires effectués sur un PER individuel peuvent être déductibles de votre revenu annuel déclaré aux impôts. En versant sur un PER individuel, vous allez donc payer moins d'impôts à la fin de l'année. Et on ne va pas se le cacher, cela séduit de plus en plus de monde.
même si cette déduction est plafonnée dans la limite d'un montant indiqué sur votre avis d'imposition. Pour autant, notez qu'il est possible d'opter pour la non-déductibilité des versements. Dans ce cas, vous aurez une fiscalité plus douce à la sortie. Quant à l'assurance vie, il n'y a pas d'avantage fiscal sur les versements. Sur la fiscalité à l'entrée, l'avantage va donc au PER, puisqu'il permet des économies d'impôts immédiates. On termine avec la fiscalité à la sortie. Eh bien là, c'est facile, c'est le contraire. Sur la fiscalité à la sortie, l'avantage va à l'assurance vie. Passé 8 ans, les gains bénéficient d'un abattement jusqu'à 9200 euros par an pour un couple et 4100 euros pour un célibataire. Effectivement, avec le PER individuel, vous devrez non seulement vous acquitter de l'impôt sur les gains, mais aussi de l'imposition sur le revenu de vos versements volontaires depuis l'ouverture du PER. Sur la fiscalité à la sortie, l'avantage va donc à l'assurance vie. En conclusion, le plan d'épargne retraite individuelle et l'assurance vie sont deux solutions d'épargne qui peuvent vous permettre de constituer un capital afin de compléter vos revenus lors de votre départ à la retraite. La différence se situe principalement sur la disponibilité des fonds et sur la fiscalité. Le PER permet un gain fiscal à l'entrée, tandis que l'assurance vie propose une fiscalité plus avantageuse à la sortie. Tout à fait, Elliot, il faut avoir en tête la complémentarité de ces deux solutions. Votre conseiller est à votre disposition pour vous les présenter et vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos objectifs. C'est la fin de ce numéro spécial du 5 des experts. Merci de votre écoute. Et à très bientôt.